Donc vous téléportez dans le... dans un endroit que Perceval connaît, c'est une des nombreuses habitations qu'il a habité pendant son... Ma vie de nomade. Mais attends, c'est ça. Pendant son existence de nomade. Mais en fait, c'est à cet endroit-là que j'ai rencontré Azo. Oui, moi, oui. Puis la créature est toujours là, vous l'avez apporté avec vous. Bon, fait que ça, c'est chez moi, mais elle a bien longtemps. Je crois que... moi, si je peux faire une action directe en partant, je vais sauter sa créature. Fait que, ouais. Quoi de faire sur un jet d'agilité? Jet de force. Fait que moi, je dois bien le voir qui s'en vient, genre, vers moi en tant que deck. Qu'est-ce que la bébête, elle me tient, genre, man, comme c'est... Moi, sérieux, je check autour de moi. Ah, voilà. J'suis un peu en panique. Parce que je sais où ce qu'on est. Pis pour vrai, je me fous comme de la créature pis je cours vers la maison. Alors, qu'est-ce un coup? Ok. J'ai fait ça. Ok, 7 de... Mais t'es dans l'attaque, fait que c'est un critique. Alors, tombe, elle disparaît. J'ai quand même fait 14 de damage en deux coups. Tabarnak. T'es fort. Là, il dit qu'est-ce que c'est que ça? Pardonnez-moi, mon bouclier. Là, il dit qu'est-ce que c'est que ça? Un détraqueur, maintenant, il parle de ça me faisait du mal. Je m'enlise. Ben là, au moment qu'elle est morte, j'ai ressenti des effets dus à sa marque. Est-ce que les ceux qui étaient endormis, est-ce qu'ils se sont réveillés? Non. Non, c'est pas réveillé. Calice. Moi, je rentre dans la maison. D'accord. Quand tu rentres, tu seras pas là. Mais quand tu rentres, tu fais quoi? Je check les choses à quoi qu'elles ressemblent. Si c'est comme la dernière fois que je suis venu, ou si c'est comme d'un début. C'est pour me situer dans le temps, là. Premièrement, tu vois... Mariko. Carlis. Elle a combien de queues? Elle en a 3. T'en avais 4? Ouais. Carlis, là. Fuck. Donc on est au moins 100 ans plus tôt. Ouais, en vie. Genre. Je trouve ça très bizarre que l'autre personnage soit pas là. Oh my god. Je ressors dehors. Alors. Mais là, je check le sol, pis genre. Dans la merde. Pourquoi qu'on est dans la merde? C'est quoi cette maison de merde? Elle est lette! C'est ma maison! Ouais. C'est chez nous! Ouais, mais disons que ta maison dans laquelle que j'étais allé, pis c'est ça, ben t'es plus belle. On est dans la merde! Ouais. On est revenu en arrière! Qu'est-ce que tu veux dire en arrière? Dans le temps! Dans le temps? Yes! C'est fait pas ça? On n'est plus dans la même époque! C'est mignon. Tu sais, je m'en fous, je reviens comme si j'aurais 15 ans, man! On est au moins 100 ans en arrière environ. Fuck, man, le magicien est encore en vie. Mes parents sont encore en vie, life. Oh fuck, man. Faut essayer de retourner à notre époque parce que. Ben, si on se croise nos propres nous, ça risque de faire des vagues dans le temps, vous comprenez? La psy, il y a 100 ans, et Graille est encore en vie. Mais je fais juste la petite remarque de même. Là. Et peut-être Verne Ballastur aussi, ça dépend quel jour on est. Ouais, mais moi je veux pas le voir, mais c'est pas grave. Je disais ça surtout pour Azur. Ah, Yogi, c'est ça que je dis. Yogi, il dit. C'est quoi cette merde? C'est qu'est-ce qui vient de se passer? On est où? On est 100 ans en arrière, je viens de le dire, t'écoutais pas! Comment ça, on est en arrière, putain! T'as mal qui réagit, lui!
À cause du collier, c'est pas de ma faute. Ouais, c'est mon colis. c'était mon colis. Azur, on fait quoi? Il faut retourner dans le. T'es en train de nous dire que c'est toi le coupable? Ben, j'ai dit, c'est à lui de pas l'avoir utilisé. Hey, c'était la seule solution pour sortir de là, les mecs. Ouais. Dis-toi qu'il passait genre à 2 secondes de rester avec un gars, mais en tout cas. Vous auriez été dans la merde. Mais toi, tu dois être heureux, t'es revenu à ton époque. Pas de temps, avec le magicien qui voulait faire de moi je sais pas trop quoi, avec mes parents qui voulaient genre m'utiliser pour de l'argent. Azur, si on croise nos propres nous du passé, on est dans la merde, il faut retourner dans notre époque. Il faut réveiller Naos, c'est Yugi qui dit ça, le personnage du vide. Moi je suis pire pour rien. Il s'en calisse. Au pire je pourrais retourner sur mon île, quand ça y est. Pour fonder ma ville plus vite. Faut tout en. Non, faut partir! Non, tu comprends pas là? Moi j'ai la chance de récupérer mon meilleur chum. On le sait pas quel jour on est, il est peut-être déjà mort, il est peut-être mort hier, on sait pas. Il va peut-être mourir demain. Au pire, il doit avoir des documentations dans ton habitation. Il y a les trois. Il y a les deux personnages qui sont faits, aussi Nikki, qui souffre. Ouais, c'est l'équipe sauf quand même, gros, t'es resté 6 points de fille. J'étais pas le genre d'avoir des documentations dans ce temps-là. T'as-tu de la médoc, man? T'as-tu des médicaments? Genre, t'as-tu un bandage? Genre, tu peux me soigner? Genre, ouais, on peut pas le soigner, mais je vais l'achever. Je vais aller voir à l'intérieur. Bougez pas parce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Ah, mais moi, je m'en fous. Je peux-tu suivre? L'autre, il veut me tuer. Fait que viens, t'as. Je m'en viens. C'est, on a un pack de loyauté, hein. Je t'ai quand même donné mon colis qui nous a mis dans la mais d'accord, mais chut. Y'a quelqu'un qui dort, faut pas réveiller. C'est-tu ta femme? Sinon, ça va causer de la merde. Chut. Je rentre. Ok. Je check s'il y a des bandages. Des bandages ou des plantes médicinales, n'importe quoi. T'as pas de plan médical, mais par chance, par chance. Je te rappelle que c'est ben que Mariko est une herboriste, donc t'as des plantes médicinales, t'as des plantes pour soigner. Ben enlever la douleur, mettons. Ok, y en a-tu beaucoup? Ouais, quand même pas pire quantité. Là. Okay. T'as assez pour fumer un gros bac. Bon, mais J'ai pogne, pis je m'en vais vers l'extérieur. Je fais signe à Alexandra de me suivre. Moi, je demande un jeu d'agilité, voir s'il s'enferme à quelque part pour. Ouais, ben, c'est pour ça que je m'en allais faire, justement. Genre, juste faire un jeu d'agilité, juste pour voir si vous faites bien du bruit. Ah, c'est-tu que t'es de la merde, Guillaume? Pourquoi? Mathieu, il vient de dire qu'il y avait pensé aussi. Ah, oh, mais c'est réaliste. 64, moi je fais du bruit. Bah attends, c'est sûr. Elle fait du bruit, mais qu'elle te voit pas, pis qu'elle voit juste le petit Alexander. elle va l'attaquer, est-ce que tu sais, vous sortez. La porte attaque, quand vous sortez, c'est ce qui se passe. Bah attends, tu peux voir si je l'ai. Je l'ai beau. Oh, mais ça. C'est toi qui a claqué. La porte elle claque, du coup. Sam ferme la porte, elle claque, et Alexander rentre dedans. Oh, ouais, hey, on est pas si cap que ça. J'ai pas assez de points de vie, moi. Je fais genre. Non, mais je fais genre, Alexander, qu'est-ce que tu fais? Chut. Retourne là-bas et donne ça aux autres. Je m'occupe de l'intérieur. Puis moi, ben, tu sais, genre, je m'auto-soigne d'une certaine façon pour alléger la plaie. Moindrement, je donne ceux aux autres qui sont blessés, puis je suis comme, ouais, arrangez-vous avec ça. Puis... Moi, je surveille au cas qu'elle sorte, là. Là, je me reviens à ta soeur, je dis qu'est-ce que tu fous, man? Viens! Merde! Mais qui tu dis ça, toi? Mais je dis ça à toi, man! Tu dis de crisser notre camp, mais tu dis qu'est-ce que tu connais? Non, j'ai dit de rejoindre les autres et de donner ça aux autres. Ouais, c'est ça, c'est ça que j'ai fait. Yugi, il dit on a rien à faire ici, nous, on va retourner d'où on vient. Mais je vais essayer de soigner mon. Ok, il va leur. Collègue. Il va leur. Il va leur retourner dans leur. Il va leur retourner dans leur monde, c'est ça? Hey! Ouais. Hey, j'ai une meilleure idée! On chope et on.
Merde, tout le monde s'en va, fuck. Poum, il descend tout. Mon shop est ennui ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Avant qu'il fasse toute cette merde, on le chope tout de suite. À cette époque-là, on n'est même pas encore au courant. Mariko est à l'intérieur. À cette époque-là, elle connaissait pas encore Eonui. On pourrait pogner Eonui avant qui anéantisse les autres lunes, puis on pourrait vraiment le tuer sans qu'il y ait des morts. Il les a peut-être pas encore anéanti, oui, c'est comme tu dis. Il les a peut-être déjà anéanti aussi, on sait pas. Hein. Peut-être pas. Ce serait une chance unique, mettons. De changer de pensée? Pas sûr, moi. Parce que c'est sûr que si on le tue, ça change un paquet d'affaires. T'es au courant que si on change de quoi dans la timeline, mon fils n'aidera peut-être jamais. Tu vas peut-être tomber stérile. Peut-être tu vas en avoir 5! Et on s'est entendu que tuer un oui, ça changera pas grand chose négativement. Il était emprisonné pendant une centaine d'années. Il a pas fait grand chose. Tu veux tuer? Mais c'est pas ça que vous vouliez tout le temps, vous autres? Ah ouais, mais je suis surpris que toi tu veux être tué. Mais parce qu'il va refaire encore du mal pareil, puis on l'a déjà enfermé, puis ça a pas marché. Ouais. Puis si on peut le tuer sans que ça fasse de mal. Mais sinon, on peut retourner à notre époque, hein. C'est une idée que j'ai eue comme ça. Donc, on fait quoi? Moi, c'est des idées que j'ai eues. Oh, on prend ton idée en main, fait qu'on va tuer un oui, même à rien. Mais là, on est pogné avec un inconscient, deux inconscients. Un incontinent. tu peux dropper un incontinent, un inconscient, un cave. De toute manière, dans le présent, d'où ce qu'on vient, on sait même pas où ce qui est un oui. Ici, on sait à peu près où ce qui est. Ok, puis il est où? Il est où? La première fois qu'on l'avait vu. C'était pas chez les anges. Moi, je sais pas, j'étais pas là. Tu dois t'en souvenir, t'as une mémoire phénoménale. Moi, ça? Ouais. Oh, allez, je peux pas en tout. Ou c'était chez les Garuda, je me souviens plus, moi non plus. Au pire, j'ai une idée personnelle. Mon drama, tu l'apprends ou tu l'apprends pas. C'est quoi ton idée? Moindrement, comme tu le précises, si on a fait un saut dans le temps, on est comme 100 ans en arrière. C'est sûr qu'on a fait un saut dans le temps parce que Mariko se trouve à l'intérieur avec 3 queues. Et dans notre temps, le 4 queues. Si elle se trouve là, c'est avant même que je trouve Azur. Voulez-vous qu'on se rende au Havre? On va le savoir tout de suite où ce qu'on est. Oui, mais attends, avant une chose, d'y aller. Bon, fais-toi passer pour ce Perceval-là de vouloir 100 ans avec Mariko. Je suis pas sûr que ça va être une bonne idée. Mais oui, t'es un bon comédien, Parce que si je rentre à l'intérieur et que l'autre Perceval arrive pendant ce temps-là, on est dans la merde. Mais là, il arrivera pas. Je connais les M2, c'est un connard. C'est vraiment un j'ai juste à dire que j'étais un enfant qui vend des bonbons, puis des patates, puis des affaires dans le même, puis ça va bien passer, puis ils sauront pas que c'est moi. Puis en tout cas, ça va dire qu'on va s'avoir connu 100 ans en arrière, fait qu'en tout cas, ça va faire encore plus de mindfuck, mais c'est pas grave. Justement, faut pas que. Le mois du passé te rencontre. Parce que ça va changer toute la. Je sais pas comment dire ça, mais ça va faire un paradoxe. T'es pas censé m'avoir connu avant. Ben, moindrement, si tu me connais. Je suis pas censé t'avoir connu avant, je veux dire. Bon, est-ce qu'on veut ou ce que le Havre est? Comme ça, on va avoir la certitude de quel temps où on est. J'ai pas de personnage avec vous en ce moment, mais je veux savoir où c'est que vous allez mettre vos blessures. En ce moment, pendant que Mariko est là, seule dans la maison, genre, je veux savoir, vous êtes vraiment con, vous êtes con. Ben, moi, j'ai envie d'achever le... Ouais, c'est vrai, c'est Naos quand même, on c'est peut pas l'en mettre. Si Mariko peut se transformer encore, genre. Ben, techniquement, oui, avec 3 queues, mais il me semble qu'elle pouvait. Moi, j'ai envie d'achever l'autre kitsune de Eonui. Lui, il s'artit. En fait, il a son couteau depuis tout à l'heure, pis genre. C'est peut-être son Orcrus, genre son partie de lui. Il lance sa dague au-dessus de l'eau, puis il décide que quelqu'un qui va pas l'attraper, il va mourir. Mais moi, vraiment, j'ai une théorie. À peu près ça, en fait. J'ai une théorie. Ah, oups. Mais moi, j'ai une théorie sur le Kitsune, par exemple. Quoi, vas-y. Moi, on a
Comme Sam avec Mariko, ils ont un lien genre qui sont ensemble. Mais moi vraiment que si on tue le Kitsune de Yomi, l'attachement entre Yomi et ce Kitsune-là va se briser, donc Yomi va peut-être savoir peut-être où se trouve. Mais ben non, parce que... Parce que c'est le Kitsune du futur. Mais non, ça y fera rien parce que son Kitsune du futur, il le connaît même pas. Il le reconnaîtra même pas parce qu'il est juste en humain. Yomi que finalement il est plus dans la prison de vie de 100 ans plus tard qu'on est présentement. Ouais, il sentira peut-être même pas mourir vu que c'est 100 ans plus tard. Ouais, c'est puis vrai. Il a surtout perdu tous ses pouvoirs. Il a plus de queue, il a plus d'oreilles. Ça, c'est le sait pas. Bon, au pire, c'est pas... Attends. Garoche-le dans l'eau. Sinon... Oh, merde. J'allais proposer qu'on pourrait peut-être emmener Naos puis l'autre à l'intérieur avec Mariko. Le lien, c'était quand même intelligent parce que le lien qui est né avec toi puis Mariko, tu peux quand même lui parler sans savoir, sans qu'elle sache que c'est vraiment toi. Je sais que je peux y parler, mais c'est parce que c'est quand même... Je sais pas, ça serait bizarre. Oh oui, come on, man! Fais pas ton timide! Mais j'ai eu une idée, on pourrait, je dis que c'est une idée, on pourrait mettre Naos et l'autre gars, si Azure l'a tué avant, chez Mariko et le mois du passé. Mais c'est parce que si le mois du passé arrive et qu'il trouve Naos, ça va faire bizarre. Parce que moi, demain, il va voir qu'ils sont pas là en bas de passé, donc il va avoir une rage à... oui, le Perceval du passé, il sait que Naos est son fils, mais il sait pas à quoi qu'il ressemble, Naos. C'est legit. Mon drameur, il... Bon. À moins qu'à un moment donné, il se réveille et qu'il parle avec le Perceval du passé, il devrait pas avoir de problème. À moins qu'on les traîne avec nous, c'est pour vous, là. C'est les deux seules solutions, là. On n'est pas pour les laisser ici. Moi, je l'ai dit, là. Kitsune de Yonui, je veux le tuer. Tu l'as même. Pourquoi? Monte ton quelqu'un. Oui, présentement. Non, mais il pourrait nous être utile, par exemple, avec Yonui. Il connaît ses déplacements. Il connaît ses déplacements. On le garde. On va aller au Havre chercher des shines pour l'attacher. Ouais, mais il connaît. Ouais, c'est ça, mais il connaît ses déplacements. Peut-être. Il connaît ses déplacements, mais il sait pas exactement où. Ben, en fait, vous savez pas exactement où. Même moi, je sais pas. Ça va se décider à un moment donné. On sait pas exactement, on est à quel moment. Ouais, mais. Dans l'histoire. Mais là, Moindromain, le gars, là, tu sais pas, qui se souvenait, c'est rendu un être humain. Mais c'est pas grave. Moindromain, peut-être que le lien, il est plus aussi fort que ça l'était avant. Mais on s'en fout du lien. C'est parce que lui, il a tous ses souvenirs. Il sait, mais si on connaît la journée, la date, l'heure, il va savoir où il se trouvait dans le passé avec Yonui. Au pire, là, Perceval, montre que t'as des couilles, fais le lien télépathique Kitsune Maître avec ta charmante Mariko. Pourquoi? Ben là, essaye de trouver... Porte le pigeon qui est à mes pieds, je vais porter Naos jusqu'au Havre, là. On va se trouver des gens pour les attacher. Au pire, au moins vraiment avant de partir, elle tente au moins... Mais le Havre avant, c'était une ville de racistes. Je m'en crisse, je vais aller. Il va encore la détruire. C'est pas détruit, je l'ai conquis. Non, mais moindrement, en fait. Non, mais attends, Alexander, j'irais bien voir Mariko puis poser des questions. Non, non, mais on va pas la voir. Fais juste ton lien télépathique puis déçuit, genre, à travers la discussion pour savoir à quel moment on est situé, genre. Je peux-tu faire ça, Mathieu, sans qu'elle sache? Tu peux y parler, mais. Si le monde était dans quelle année, ça va être bizarre en crise. Mais c'est sûr. Non, mais. Directement question, dissuade à travers des faits, genre, poser des questions bien normales, puis genre à travers les réponses qu'elle va te donner, ça va donner sûrement la date ou un élément va peut-être te faire mais c'est parce que c'est dur, hein, de poser des questions comme ça sans avoir l'air louche. Surtout que je sais pas en ce moment où ce que je suis censé être. Mais moindrement, elle te connaît, elle sait que t'es louche deux jours d'avance. Non, je suis pas louche, d'habitude. Moi je dis qu'on va au Havre, qu'on les apporte avec nous. Ok. Puis on peut. Je dis porte le Kitsune parce que si c'est moi qui le porte, je vais traîner son cadavre. Ok, ben je prends le Kitsune parce qu'on va en avoir un crissement besoin. Finalement, c'est une bonne chose qu'il soit avec nous. Je vais prendre Naos. Puis Niki qui est, stable vu que vous avez trouvé des plantes tantôt. Ouais. Il perdra pas plus de points de vie ou de sang ou quelque chose. Dans le pire des cas, Alexander, je peux revenir à tout moment pour parler à Mariko si besoin. Ah, man, on est revenu dans le temps. Oh my god, man. Est-ce que t'as un PD, Mathieu?